Chers élèves, bonjour. Alors, dans le cadre de l'enseignement à distance organisé par le ministère de l'Éducation nationale, on va enchaîner aujourd'hui avec le programme que vous avez déjà réalisé en classe, en SVT. Donc, on va entamer la cinquième unité qui s'intitule l'immunologie. Alors, on va se poser tous la question, pourquoi tombe-t-on malade? Alors, on sait que nous vivons dans un environnement contenant des millions de micro-organismes dont beaucoup sont pathogènes, ils sont donc virulents et capables de déclencher des réponses immunitaires. Mais ce sont de rares cas dont on tombe malade. Ceci suggère donc que notre organisme dispose d'un système qui le protège et qui préserve son intégrité. Ce système-là est appelé le système immunitaire. Alors la question globale qu'on va se poser, c'est comment le système immunitaire préserve-t-il l'intégrité de notre organisme? Alors cette question-là, on va l'aborder en trois chapitres, ou en trois sous-questions. La première sous-question, c'est comment distingue-t-on, ou bien comment le système immunitaire arrive à distinguer entre ce qui est du soi, ça veut dire ce qui nous appartient, et ce qui est du non-soi, ça veut dire ce qui est étranger et qui peut déclencher des maladies. La deuxième question, c'est quels sont les mécanismes mis en jeu lors de la réponse immunitaire? Troisième question, quels sont les dysfonctionnements de ce système immunitaire? Donc aujourd'hui, on va traiter la première question, ça veut dire le premier chapitre, c'est comment se fait la reconnaissance du soi et du non-soi. Ça veut dire comment notre organisme reconnaît ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Et on va traiter en premier lieu la notion du soi et du non-soi. Alors, vous voyez un individu en train d'inhaler une multitude de virus. Là aussi, vous voyez à la surface de la peau, on voit des millions de bactéries. Là également, vous voyez des grains de pollen qui sont des éléments étrangers à l'organisme, qui ne sont pas pathogènes, mais qui peuvent déclencher une réaction immunitaire. Donc tous ces éléments-là, on va les appeler, entre autres, hein, ce ne sont pas les seuls éléments, mais il y en a beaucoup. Alors le non-soi, donc c'est tout élément qui peut induire une réponse immunitaire. Il peut être intrinsèque, comme l'exemple des cellules cancéreuses. Là, on voit le développement d'une tumeur cérébrale, par exemple. Donc, il peut être soit intrinsèque, c'est un soi modifié, donc ce sont nos cellules qui sont modifiées, ce sont des cellules cancéreuses, par exemple, ou extrinsèque, pathogène, ça veut dire extrinsèque, virulent, peut produire des maladies, comme les virus et les bactéries, comme il peut être extrinsèque, mais non pathogène, c'est le cas des grains de pollen. Ce qui est du soi, le soi, donc, c'est tout élément qui peut être un organe, des cellules, des molécules qui sont issues de l'expression du génome de l'individu. Donc maintenant, on a pu distinguer entre le soi et le non-soi. Maintenant, on va se poser la question, comment l'organisme reconnaît-il le soi et le défend, et reconnaît le non-soi et l'évite? Alors, pour ceci, nos cellules disposent de certains marqueurs qu'on va appeler soit des marqueurs secondaires, soit des marqueurs principaux. Alors, on va commencer par les marqueurs secondaires du soi. Et on va prendre l'exemple des globules sanguins. On sait tous que lors de la transfusion sanguine, il faut veiller à ce que les groupes sanguins des donneurs et des récepteurs soient compatibles. Alors pour ceci, on va évoquer les travaux de Karl Landsteiner, qui découvre pour la première fois les groupes sanguins ABO. Et ceci en comparant le sang des différents sujets. Donc en fait, il a constaté une agglutination des globules rouges en présence de différents sérums sanguins. En 1940, le groupe sanguin rhésus a été découvert, donc c'est un autre marqueur secondaire. Il a été découvert. Donc il s'agit de protéines membranaires, des globules rouges. Donc les hématies qui portent ce type de protéines sont dites rhésus plus
Et les hématies qui ne disposent pas de ces protéines sont dites rhésus-moins. Donc là, on voit les expériences qui ont été réalisées. Donc les groupes sanguins qui sont similaires ou bien qui sont compatibles ne présentent pas d'agglutination. Alors que les groupes sanguins différents, après leur mélange, on voit qu'il y a une agglutination. Alors comment se fait cette agglutination ? Ou bien comment se fait la transfusion sanguine ? Donc, cette agglutination se fait par la présence sur la membrane cytoplasmique des globules rouges, qui, je rappelle, que sont des cellules anucléées, ça veut dire qu'ils n'ont pas de noyau. Donc, à leur surface, on voit, ou bien, il y a présence de certaines protéines appelées agglutinogènes. Donc, ce sont les marqueurs secondaires du soin. Ce sont des glycoprotéines situées à la surface des hématies, et on les appelle aussi donc agglutinogènes. Elles se différencient entre elles par la partie terminale de leur arborisation sucrée. Ça veut dire que ce sont des protéines qui sont ancrées dans la membrane cytoplasmique des hématies et présentent des arborisations sucrées. Et c'est la terminaison de ces arborisations sucrées qui fait la différence entre les groupes A, groupe B, groupe AB et groupe O. Alors donc, on distingue quatre groupes sanguins, groupe A, B, AB et O. Donc, à partir de ce tableau-là, on va définir les différentes combinaisons possibles. Alors, le groupe sanguin A, ces hématies, ou bien les hématies du groupe sanguin A, présentent à leur surface des protéines appelées agglutinogènes A. Et le sérum de l'individu qui porte le groupe sanguin A présente des anticorps appelés des agglutinines. Ce sont des protéines plasmatiques. On les appelle des anticorps, donc ils présentent les anticorps anti-B. Pour le groupe B, ils présentent des agglutinogènes B, et dans le sérum, il y a une agglutinine anti-A. Et donc, c'est pourquoi les globules rouges du groupe B ne peuvent pas être donnés au groupe A, à l'individu du groupe A. Pourquoi ? Parce que l'individu du groupe A présente un sérum avec des anti-B et peuvent donc s'agglutiner avec les antigènes présents à la surface du globule rouge du groupe B. Le groupe AB, il présente les deux agglutinogènes à sa surface, mais ne présente pas d'agglutinine dans le plasma. C'est pourquoi le groupe AB peut recevoir le sang de n'importe quel groupe sanguin. Pour le groupe O, il ne présente pas d'agglutinogène, mais son plasma présente les deux agglutinines A et B. C'est donc pourquoi le groupe O, c'est un donneur universel, mais il ne reçoit que du groupe O. Alors maintenant, on va aborder un autre type de marqueurs principaux du soin. Donc, sachant que les marqueurs secondaires, ça caractérise les cellules qui n'ont pas de noyau, mais on doit les reconnaître quand même comme éléments du soi. Donc, maintenant, on va aborder les principaux, ou bien les marqueurs principaux du soi, qui sont le complexe majeur d'histocompatibilité, ou bien le CMH. Alors, ces marqueurs-là ont été mis en évidence à travers un certain nombre d'expériences. Donc, on prend ici l'expérience du greffage. Donc, on fait des expériences et on voit le résultat. Exemple, on greffe un morceau de peau, de la peau, d'un animal au même animal. Donc, en même temps, l'animal est donneur et receveur. On s'aperçoit donc que la greffe a réussi à 100%. Donc il s'agit d'une autogreffe. Ça veut dire qu'on a greffé l'organe d'un individu dans le même individu. Deuxième expérience, on prend un morceau de peau d'un animal et on la greffe à un autre animal qui est de la même lignée. On s'aperçoit que la greffe a réussi. Donc il s'agit d'une allogreffe. Pourquoi ? Parce que les deux animaux sont de la même lignée ou bien sont de la même race. Troisième expérience, on prend un morceau de peau d'un animal et on le greffe à un autre animal qui est d'une race différente. Donc on s'aperçoit que la greffe a été rejetée et là on parle donc d'une hétérogreffe.
Donc, à partir de ces expériences, on s'aperçoit que, au fur et à mesure qu'il y a un lien de parenté entre les individus, la greffe donc va réussir. Deuxième type d'expérience, ce sont les résultats de greffe totale entre donneur et receveur dans différentes situations. Donc la situation 1, situation de vrais jumeaux, le taux de réussite est de 100%. Entre frères et sœurs, le taux de réussite de la greffe est de 80%. Si le taux de parenté n'existe pas, s'il n'y a pas de parenté, donc le taux de réussite est nul. Donc le taux de réussite des greffes est en étroite relation avec le degré de ressemblance entre le matériel génétique du donneur et celui du receveur. Ou bien, il est en étroite relation avec le lien de parenté entre le donneur et le receveur. Il s'agirait peut-être de protéines, donc il s'agit de matériel génétique, et le matériel génétique s'exprime sous forme de protéines. Donc il pourrait s'agir de protéines produites de l'expression de l'information génétique qui se localisent à la surface des cellules et qui permettent de reconnaître si le greffon est compatible ou non avec le soi. Donc le greffon porte des cellules qui ont à leur surface des protéines. Ces protéines-là vont être reconnues par le receveur comme soit du soi, soit du non-soi. Ils vont être donc soit acceptés, soit rejetés en fonction de ces marqueurs-là. Donc une fois qu'on a supposé que les marqueurs du soi sont du type protéique, donc c'est une supposition, donc on doit vérifier cette hypothèse-là en prenant une partie de la membrane plasmique d'un leucocyte par exemple et on l'agrandit. Donc on voit que la membrane plasmique est formée de deux couches lipidiques avec des membranes intégrées, donc des membranes qui sont intégrées dans des protéines intégrées dans la membrane et qui présentent des arborisations sucrées. Ces arborisations sucrées-là, ce sont elles qui définissent la compatibilité ou la non-compatibilité. Donc le molécule de CMH existe accroché aux membranes plasmiques de toutes nos cellules nucléées. Le rôle de ces molécules est d'aider le système immunitaire à différencier le soi du non-soi. Donc, ce sont des marqueurs d'histocompatibilité. Donc là, on voit la différence entre le CMH1 et le CMH2. Donc le CMH1, c'est une protéine intégrée formée de 4 sous-unités. Donc on voit les sous-unités alpha-1, alpha-2, la sous-unité alpha-3 et bêta-2m. Tandis que le CMH2 est composé de 4 sous-unités alpha-1, bêta-1, alpha-2 et bêta-2. Donc, si on récapitule, le CMH1, le complexe majeur d'histocompatibilité de type 1, il est composé de glycoprotéines situées à la surface de toutes les cellules nucléées, ça veut dire qu'il présente un noyau, y compris les cellules immunitaires. Le CMH2, ce sont des glycoprotéines situées uniquement à la surface de certaines cellules immunitaires. Donc, le CMH1 est présent chez toutes les cellules à la surface, alors que le CMH2 n'est présent que chez certaines cellules immunitaires qui jouent un rôle dans la coopération cellulaire au niveau de l'immunité spécifique. Alors, le CMH a été découvert pour la première fois à la surface des leucocytes, ça veut dire le globule blanc, d'où son appellation de départ qui était HLA ou Human Leucocyte Antigen. Les globules rouges, on a dit que ce sont des cellules aniculées, donc ils ne disposent pas de CMH. Mais, de ce fait, ils vont manifester des marqueurs secondaires dont on avait parlé. Ce sont donc les agglutinogènes ou bien le rhésus. Donc, si on récapitule, le soi est reconnu du non-soi grâce à des marqueurs qui se trouvent à la surface des cellules, soit aniculées ou aniculées. Donc, ces marqueurs-là, on peut les classer en marqueurs principaux et marqueurs secondaires. Les marqueurs principaux, ce sont le CMH1 présent chez toutes les cellules et le CMH2 présent chez les cellules à vocation immunitaire.
alors que les marqueurs secondaires ne sont présents que chez les cellules anucléées comme les hématies. Maintenant, on va voir l'origine du CMH, ça veut dire l'origine génétique. On a dit que le CMH, c'est un ensemble de protéines, d'accord ? Donc, toute protéine est l'expression du gène, donc l'expression du matériel génétique. Donc, on va voir combien de gènes qui vont gouverner la synthèse des protéines du CMH. Donc, le CMH est gouverné par quatre gènes qui se trouvent au niveau du chromosome numéro 6. Donc, le CMH1 est gouverné par les gènes A, C et B, alors que le CMH2 est gouverné par le gène D avec ses sous-gènes, donc le DR, DQ et DP. La caractéristique majeure de ces gènes-là, c'est que ce sont des gènes polyalléliques. Donc, on voit par exemple là, le gène A, il présente 239 allèles, le gène C, 120 allèles, le gène B, 494 allèles. Mais à quoi donc sert toute cette diversité allélique? Donc, cette diversité allélique sert à définir pour chaque individu une combinaison d'allèles et donc une forme de CMH unique à chaque individu. Donc, chaque individu porte une combinaison allélique qui lui est unique et dont il a hérité chaque moitié de l'un de ses parents. Donc, on sait que les chromosomes, ils sont transmis par la méiose et par la fécondation. Donc, les gènes du CMH vont être hérités la moitié chez le père et la moitié chez la mère. Donc, un individu ne va ressembler ni à ses frères, ni à sa maman, ni à son père, du point de vue CMH. Donc, le seul cas où on aura les mêmes CMH, c'est le cas des vrais jumeaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le même matériel génétique. Donc, voilà. Maintenant, si on prend cet exemple-là, on a, par exemple, là, le père et la mère. Donc, les génotypes du père et le génotype de la mère. Donc, si on fait après fécondation, donc on obtient deux individus, l'individu 3 et l'individu 4. Donc, l'individu 3, voilà son génotype. Donc, si vous vous amusez à faire l'échiquier de croisement, donc vous allez obtenir le génotype de l'individu 4. Maintenant, on va voir quel est le rôle du CMH. Donc, l'antigène. Donc, on va annoncer deux définitions, celle de l'antigène et celle du déterminant antigénique. Donc, on va définir en premier lieu l'antigène. Donc, l'antigène est une substance naturelle ou synthétique qui est reconnue par le système immunitaire d'un organisme et capable de déclencher chez lui une réponse immunitaire. Donc l'antigène, c'est toute substance qui peut, ou particule qui peut déclencher une réaction immunitaire chez l'individu. Le déterminant antigénique. Le déterminant antigénique, c'est une partie, c'est un peptide de l'antigène. Lorsque l'antigène est fragmenté au niveau des cellules de l'organisme, il est subdivisé en petits morceaux, en petits peptides qu'on appelle les déterminants antigéniques. La caractéristique du déterminant antigénique, c'est qu'il a la capacité de produire une réaction immunitaire semblable à celle de l'antigène. Donc, pour induire une réponse immunitaire, les antigènes doivent être reconnus par les cellules effectrices du système immunitaire, qui sont les lymphocytes. Pour être reconnus par les lymphocytes, les antigènes doivent être pris en charge et présentés par des molécules membranaires spécialisées. Ça veut dire que chaque cellule doit présenter son contenu protéique à l'extérieur et il va donc l'exposer afin que le système immunitaire qui est présenté par des lymphocytes doit le contrôler et voir si le contenu est intègre ou il n'est pas intègre. Les figures de ce document représentent des schémas explicatifs illustrant le rôle des molécules du CMH dans la présentation des peptides du soi et du non-soi. Donc, on prend la figure 1, par exemple. Donc, dans le noyau de la cellule,
on a de l'information génétique sous forme d'ADN. Donc cet ADN contient des gènes normaux. Ces gènes-là sont exprimés ou bien sont transcrits en ARNm. L'ARNm quitte le noyau vers le cytoplasme, il va donc être traduit en peptides du soi. Ces peptides-là vont être emballés sur le CMH1, qui est lui aussi une protéine produite par les gènes du noyau. Et cet emballage-là va être véhiculé par des vésicules de sécrétion vers l'extérieur. Et donc, la protéine de CMH qui est en association avec l'antigène va être exposée vers l'extérieur pour être reconnue par les lymphocytes qui représentent le système de défense de l'organisme. Alors, si l'antigène qui est, ou bien le déterminant antigénique qui est présenté sur le CMH est un élément du soi, il n'y aura pas de reconnaissance avec le lymphocyte et donc il n'y aura pas de destruction de la cellule porteuse de cet antigène ou bien de ce déterminant antigénique. Dans la figure 2, on a par exemple des gènes mutants, ça veut dire des gènes qui ont subi des mutations, comme par exemple dans le cas des cellules cancéreuses. Ces gènes-là sont transcrits en ARNm et l'ARNm est traduit en protéines mutantes. Donc ces protéines-là vont être chargées sur le CMH et vont être exposées vers la surface de la cellule. Et donc il y aura reconnaissance entre le CMH et le déterminant antigénique et le lymphocyte. Et cette reconnaissance-là se traduit par une attaque du lymphocyte vers la cellule porteuse. Et donc la cellule va être détruite par le système immunitaire. Troisième cas, c'est lorsqu'il y a une invasion d'un antigène à la cellule. Donc la cellule va internaliser l'antigène, il va donc le phagocyter, ensuite le détruire et le fragmenter en petits morceaux qu'on appelle les déterminants antigéniques. Ce sont des peptides du non-soi. Ces peptides-là vont être chargés sur le CMH et vont être véhiculés vers l'extérieur de la cellule. Et donc, ces éléments-là, parce qu'ils ne sont pas du soi, ils vont être reconnus par les lymphocytes. Et donc, la cellule qui porte des éléments du non-soi va être détruite. Donc, c'est ça le rôle du CMH. Donc, les molécules de CMH, de CMH1, s'associe aux peptides obtenus lors de la dégradation d'un échantillon de protéines cytoplasmiques du soi ou du non-soi, donc le cas du virus. Le complexe CMH1 peptide migre vers la surface cellulaire et le peptide sera exposé aux cellules immunitaires spécialisées à cet effet. Donc on parle du lymphocyte, par exemple là, les lymphocytes TC. Si le peptide présenté relève du soi, il n'est pas reconnu par les cellules immunitaires et la cellule ne sera pas attaquée. Dans l'autre cas, si le peptide présenté ne relève pas du soi, par exemple le cas des peptides viraux, ou bien le cas des peptides mutés, donc la cellule, ou bien il sera reconnu par les cellules immunitaires, et la cellule qui le présente sera détruite. Donc pour le CMH2, on ne l'a pas présenté ici, donc le CMH2, il joue le même rôle, mais chez les cellules immunitaires. Il présente la particularité chez les cellules immunitaires qui vont recevoir l'antigène, ils vont le segmenter et ils vont le présenter à d'autres cellules immunitaires lors de la réaction immunitaire spécifique ou bien lors de la coopération cellulaire. Alors, qu'en bilan à cette activité-là? Donc, l'identité biologique du soi va être définie de deux façons. Donc, soit par les marqueurs principaux chez les cellules nucléées, soit par des marqueurs secondaires chez les cellules anucléées. Donc, ces marqueurs principaux-là, ils sont soit le CMH1 qui est présent à la surface de toutes les cellules nucléées, soit le CMH2 qui est présent chez certaines cellules à rôle immunitaire. Donc pour le CMH1, il permet la présentation des déterminants antigéniques.
Et donc, deux cas de figure se présentent. S'il y a une reconnaissance par les lymphocytes des cellules présentant l'antigène, donc la cellule va être. Donc, cet antigène-là va déclencher la réaction immunitaire qui conduit enfin à la destruction de la cellule infectée ou bien porteuse du non-soi. S'il n'y a pas de reconnaissance avec les lymphocytes, donc la cellule ne sera pas détruite et il sera donc considéré comme du soi. Le CMH2, on a dit que son rôle, c'est de présenter des déterminants antigéniques par les cellules CPA, qu'on appelle les cellules présentatrices de l'antigène. Donc, ce sont des cellules immunitaires. Deuxième cas, si les cellules ne possèdent pas de noyau, exemple les érythrocytes ou bien les hématies, elles présentent des marqueurs secondaires. Voilà, donc, je vous remercie. Et donc la question qu'on va se poser et qui va dont on va répondre dans la vidéo prochaine, c'est comment l'organisme fait face à des éléments du non-soi ou bien aux agents pathogènes qu'il rencontre dans le milieu.